Bonjour à tous, donc c'est le deuxième épisode de Papa raconte-moi une histoire. On raconte une histoire en impro avec Ellie. Un autre épisode va commencer. J'ai trop envie que vous aimez. Ok, bon ben moi aussi j'ai envie que vous aimez. Alors, de quoi va parler cette nouvelle histoire? De catch et de lapin. Ok, donc toi t'es vraiment le pro pour trouver des mix improbables. C'est l'histoire d'un très très gros catcheur, mais un très 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 gros. Tout le monde avait peur de lui, il gagnait tous ses matchs. Il sait parler, mais quand il parle un peu brusque, il est un peu dur comme ça. Du coup, il a pas beaucoup d'amis, il a très très peu d'amis. Et un jour, il est là, tranquille, il court, il fait son footing. Et là, il y a un petit lapin qui se met juste devant lui. Vas-y. Il reçoit une carte pour aller. Et cette carte, pour sauver le lapin de l'eau, et il y a des crocodiles qui ont failli les manger. Ok. Donc en fait, sur cette carte qu'il trouve au bord de la plage, puisqu'il est en train de faire son footing au bord de la plage, en fait, il voit dans une bouteille un petit mot, et il ouvre ce mot, et il y a marqué « Au secours, je suis sur une île infesté de crocodiles. Venez me sauver. Je suis un petit lapin. Je ne peux pas me battre contre eux. Il faudrait quelqu'un de très fort et de très costaud. » Et là, à ce moment-là, le catcheur lui dit: Bah, je suis fort et costaud. Donc c'est pour moi ça. Il y a un grand éléphant qui va vient et pour que le catcheur vient dessus. Parce que sinon, s'il n'y avait pas l'éléphant, il va couler. Et oui, et qu'un bateau c'est quand même surfait, donc ça sert à rien un bateau. Vaut mieux avoir un éléphant. Donc il arrive avec son éléphant. L'éléphant, il peut se transformer en sous-marin. Ah, ça c'est pratique par contre. Donc ils arrivent dans l'eau, et là au moment où ils rentrent dans l'eau, le catcheur il fait: Mais qu'est-ce qui se passe? Et là l'éléphant il fait: T'inquiète pas, je suis un éléphant magique. Et il se transforme en sous-marin. Et donc quand ils sont dans l'eau, ils passent comme ça, ils se rapprochent de l'île. Oui. Et attention, quand ils vont être. Le catcheur, il voit de loin un château d'eau. Un château d'eau. Oui, avec. Et c'est le château de la fée. De la fée. Donc, juste avant d'arriver sur l'île au crocodile pour sauver le lapin qui est coincé, il est dans l'éléphant sous-marin, j'espère que vous suivez, hein. Et à ce moment-là, il voit un château, un énorme château. Alors, le catcheur, il fait: Bah, qu'est-ce que c'est que ce château? Un château dans l'eau, c'est bizarre ça. Alors, je vais aller voir quand même. Donc, il arrive. Il se gare. Oui, et il se passe quoi? Et quand ils appuient sur la sonnette, il y a encore plus de châteaux qui viennent sur château, château, château. Il y a plein de châteaux qui viennent sur le toit. Château, 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 et va juste au ciel. Wow, donc du coup c'est une tour de château au moment où il appuie sur la sonnette. Et il fait: Wow, c'est très perfectionné ça, dit donc. Donc à ce moment-là, il rentre dans le château. Et ça veut dire qu'il y a un très 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 grand escalier. Exactement, il y a un très 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 grand escalier. Et là, il se dit... Et la reine et le roi de l'eau, ils sont sur le château des nuages. Eh oui, tout en haut, forcément. Donc à ce moment-là, il va pour prendre l'ascenseur, sauf que l'ascenseur, est-ce qu'il marche? Oui? Ah, donc il... Et il y a plein et quand il ouvre et quand il ouvre, il y a plein de petits pois qui marchent. D'accord. Donc quand il y a plein de petits pois qui marchent dans l'ascenseur. D'accord. Donc il ouvre l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur et là il y a plein de petits pois. Alors il fait attention de pas les écraser. Pardon, 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 monsieur petit pois. Parce qu'en plus c'est des petits pois de mer puisqu'ils sont dans l'eau. Donc et là, il appuie sur le bouton, il appuie sur le dernier étage, parce que sur le bouton du dernier étage, il y a marqué étage du roi et de la reine et de la princesse. Donc il appuie, tut, et ça fait tut, 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 tut. Donc une musique d'ambiance qu'on vous avait reconnue, une musique d'ascenseur, comme on dit. Et là, à ce moment-là... Et quand il vient,
quand il vient, il descend de l'ascenseur, il y a plein de serpents. Donc il arrive au dernier étage et avant d'arriver vraiment dans les appartements du roi, de la reine et de la princesse, il y a plein donc de serpents. C'est une sécurité, on va dire, pour éviter qu'il y ait des méchants et des gangsters qui embêtent le roi, la reine, la princesse, tout le team. Et il a appuyé sur un bouton de tout en bas et il a trouvé des pantoufles pour marcher sur les serpents. Le catcheur appuie sur un bouton magique dans l'ascenseur et sort des superbes pantoufles en petits poils de tortue. Oui, parce que les tortues ont des poils. Et ensuite, ça fait, il les met. Il fait c'est très doux. Et il va marcher sur les serpents. Parce que c'est tout doux. Et donc du coup les serpents, ça leur fait pas mal. Donc il est là. Tchic, tchic, tchic. Sauf que à bout d'un moment, il sent un truc monter sur sa jambe. Il fait un truc bizarre. Il fait non, c'est un serpent. Donc il va pour l'enlever. Il le prend. Il l'a dans la main. Il lui dit bah toi, pourquoi tu montes sur moi? Sauf qu'en fait, ce n'était pas un serpent. C'était une anguille électrique. Et là, l'anguille sourit. Parce qu'une anguille peut sourire. Et ça lui fait. Et là il fait. Et dis-moi ce qui va se passer. Et quand il ouvre la porte, il faut qu'il ouvre encore plus de portes. Il y a tellement de portes qu'il est carrément fatigué. Et donc là, il ouvre toutes les portes comme ça, parce qu'il en a marre de serpents, des anguilles électriques et tout ça, et tout ça. Et puis en plus, il déteste porter des pantoufles. Donc du coup, il part vite. Et là, ça y est, il arrive à la dernière porte. Là, le roi et la reine ouvrent la porte et rigolent. Car à cause de l'anguille électrique, ses cheveux, ils étaient tout droits sur la tête. Et donc ils rigolent. Ils font, ah, mais qui êtes-vous? Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je passais par là parce que je voulais aller sauver le lapin des crocodiles de l'île d'à côté et puis j'ai vu votre château, alors je voulais vous dire bonjour. Et il ouvre une porte et il a failli tomber, c'était, il y avait du vide, alors il a pris l'ascenseur de la porte et après il faut qu'il, et l'éléphant il attendait derrière. Ok, donc là il fait bah voilà, maintenant du coup je vous ai dit bonjour, alors bah je vais partir. Allez, au revoir. Il prend la porte qui est à côté, où il y a marqué sortie. Et là, en fait, il s'aperçoit que ça tombe direct. Donc, il ouvre, il fait... L'ascenseur. Ça va plus vite que l'ascenseur. Aaah. Et puis, en plus, c'est un catcheur. Aaah. Et en plus, il est très fort. Aaah. Et du coup, il tombe dans la mer. Il tombe plus profond. Mais non. Il tombe jusqu'à l'éléphant, l'éléphant sous-marin. Et il récupère son éléphant sous-marin. Et il y avait plein de sous-marins. En fait, il disait le catch, c'est quoi ça? Et les autres catcheurs, ils disaient, c'est une course de sous-marins. Alors, ils ont fait la course et il y avait un sous-marin qui était pote avec l'autre sous-marin. Alors en fait, le lapin, il avait fait ça pour que ça soit une course de sous-marins avec tous les catcheurs. Et donc c'est que des catcheurs qui ont fait une course de sous-marin pour le premier, celui qui gagnait, c'est celui qui arrivait sur l'île, c'est ça? Ok. Et il y avait un sous-marin qui était pote avec l'autre sous-marin. Avec le héros. D'accord. Et alors le sous-marin qui était avec le héros, il a exprès ralenti pour le laisser gagner ton pote. Le catcheur héros arrive sur l'île. Là, il va pour prendre le lapin et il comprend que c'est une course parce que son copain lui a tout expliqué par radio, comme ça. C'était une course. Et le chihuahua arrive et il fait coucou, waf waf, waf waf. Bonjour mon ami, waf waf. Et là, le catcheur, il fait un chihuahua qui parle. Truc de fou! Et du coup, il devient enfin copain avec un chihuahua et avec le lapin. Et comme tous les catcheurs arrivent, ils se font un énorme barbecue. C'est avec des saucisses, avec plein de salades,
et ils font la fête pendant, parce que c'est quand même des gros catcheurs, donc ils font la fête pendant 7 jours, 7 nuits. Comme ça, ils font la fête. Avec plein de musique, les sandwichs, les hot dogs, tout, c'est la fête, c'est super sympa. Et du coup, il y a eu plein de copains et c'était super cool. Au revoir, à bientôt. Donnez des pouces si vous aimez. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.